verra, d'accord? Dans l'épisode précédent. Allez, viens, on doit d'abord se sécher. Qui envahit notre église? Ce fléau qui attaque nos enfants dans leur lit et qui leur inflige le mal noir. Mais vous êtes tombé sur Conrad Malfort. Nous cherchons un docteur. Laurentius. Un docteur? Eh bien, un homme est venu aider à l'os... Lâche ce maillet! T'es idiot ou quoi? Je suis pas idiot! Je veux voir maman! Maman est morte, Hugo! Tu la reverras jamais! Oh oh! Papa non plus! Menteuse, je te déteste! Oh mais non! Arrêtez! Hugo, non! Pars-toi! Pourquoi non. Il a fallu vous venir c'est... ici? Hein? Obligé de pas faire ça! Quoi? Tu vas mourir. Viens. Oh oh. Allez, chapitre 3. Le châtiment. Punaise. Respire, c'est bon. Regarde, Amicia. Oui, j'arrive. On est quoi? Ah, c'est l'église. Ah ouais. Y a rien ici. Une échelle. C'est peut-être une sortie. Attends, je vais fouiller avant. Pourquoi ah, il y a des chose. Bougies. Les bougies, c'est. C'est pour montrer que tu penses à des gens. Oh, je peux en allumer une? Si tu veux. Mais attention à pas te brûler. Merci. Pour papa et maman. Veillez sur eux. C'est bien, Hugo. Allez. Il y avait un truc qui brillait là. C'est quoi ça? C'est drôle les voix ici. Oui, c'est l'écho. Mais oh! Hugo, il y a peut-être des gens ici. Ah, mais il gueule plus fort aussi. Il y a rien ici à récupérer. Ah, là il y a quelque chose qui brille. C'est quoi ça? De l'alcool. D'accord. Pardonnez-moi pour le mal que je viens de faire. Je n'ai jamais... Amicia, tu me sers trop fort. Désolée. Ok. Oh, c'est quoi ça? Oh, un collier. C'est un chapelet. Ça sert à quoi? À prier. Je peux parler à maman et papa avec ça? On le fera ensemble. Alors, le chapelet. Chapelet conçu à partir de matériaux simples. Ces colliers servent de guide à la prière. Extrêmement répandu, il témoigne du rôle incontournable de la religion au sein de la société. La religion promet aux croyants de salut de leur âme, fournit les hôpitaux en mobilier et rythme l'année de procession et de fêtes. L'église traque aussi les hérésies, ok, je sais pas ce que c'est, condamne les profanes. Et dans les cas plus graves, les excommunie, leur retirant la droit à la foi et les isolant de la communauté. Ouais, c'est juste en fait un collier avec une croix, c'est... Ok. Une barricade. C'est quoi? C'est pour empêcher quelqu'un d'entrer ou de sortir. On peut pas la détruire. Bon, moi je pense qu'on a tout fouillé, on peut aller à l'échelle du coup. Allez là. Monte. Elle va pas casser celle-là, hein? Non, Hugo, ça va aller. Amicia, il y a quelqu'un. Des enfants? Qu'est-ce que vous faites là? Mon père, on a besoin d'aide. Partez, c'est dangereux. Vous n'avez rien à faire là. Attendez, s'il vous plaît, c'est important. On doit aller lui parler. On y va. C'est lui qui sait où est Laurentius? Il faut que ce soit lui. Il le faut. Oh, ils ont tout cassé. Qu'est-ce qui se passe ici? Peut-être qu'ils bricolent des lits plus grands.
Je ne pense pas, non. Il n'y a rien à récup. Ah, si, il y a quelque chose. Du soufre. 4 sur 8. Et ça va servir à quoi le soufre? On récupère des trucs, on sait même pas à quoi ça va servir. Oula. Je connais cette odeur. Ah, il y a quelque chose ici. Ça sent les herbes médicinales. Du tissu. Les moines ont dû les mettre dans l'eau pour se purifier. Mère faisait pareil. Là, il n'y a rien? Non, il n'y a rien. Là, il y a quoi? Il n'y a rien. Ah, là, il y a de l'alcool. Ok. Ici, c'est quoi ça? Du cuir. Ah, ça, c'est pas mal. On peut réparer notre machin avec ça. Il nous en faudrait beaucoup plus. Il n'y a rien d'autre à récup? Non. Là, il y a quoi ici? Des fleurs, elles sont belles. Viens chier, toi. C'est des œillets, j'en avais dans mon herbier. Mais ceux-là sont plus beaux. Hugo, il faut qu'on continue. Attends, attends, viens. Qu'est-ce que tu... C'est pour te protéger. Et puis, c'est joli. Oh, d'accord. Genèse. On peut y aller maintenant. Merci, Hugo. Il est super gentil, ce show. Il y a quelque chose à récupérer ici? On va partir. Ah, moi j'aime bien récupérer des choses, hein. Ça peut nous servir tellement. Même que je sais pas à quoi ça va servir tout ça. Y'a rien qui brille là? Ah si là. Du tissu et de la pierre. Ok. Là y'a rien. Ah peut-être là-bas. Ouais, nickel. La ficelle et du soufre. Ok, ok. Je croyais que c'était quelque chose qui brillait, mais non. Ah, c'est fermé. Ah, il est là. Mon père? Encore vous? Je vous ai dit de partir. Un instant, s'il vous plaît. Vous êtes inconscient. Partez tant que vous le pouvez. Je vous en supplie. Quelqu'un doit nous aider. Faites-le au moins pour lui. Les armes de Robert de Rune. Nous sommes ses enfants. Nous cherchons Laurentius, le docteur. Vous le connaissez? Oui, bien sûr. Je sais qu'il s'occupait de votre famille. Il m'a parlé de toi. Je suis le père Thomas. Votre présence ici n'est pas bon signe. L'Inquisition. Ils sont venus chez nous et... Je comprends. Mais ce qui se passe ici est bien pire encore. Vous devez partir au plus vite. Ou vous mourrez. Mais, mon père, les gens du village ont voulu nous tuer. Oh, les fous. Laurentius, non. Je ne peux pas quitter l'église, mais une sortie. Par la crypte. Par la crypte des Trois Saints. Il y a peut-être un moyen. Je vais vous mettre sur le chemin de la ferme de Laurentius. Mais après ça, vous serez dans les mains du Tout-Puissant. Ça a l'air calme pour le moment. Venez. Attendez, il n'y a rien à récupérer là. Oh. Quoi qu'il arrive, restez bien dans la lumière. Mon père, les portes marquées d'une croix dans le village, de quel mal s'agit-il? Ça a commencé par des morsures, la nuit. Puis, la maladie s'est propagée, d'abord dans les familles et chez tout le monde. La fièvre, les bubons, les gens ont commencé à mourir. Quand on a compris d'où ça venait, il était déjà trop tard. Et... ça venait... d'où? Nous approchons. Frère Morel doit être ici. Nous sommes les deux derniers. Frère Morel...
Morel. Restez ici. Frère Morel. Frère Morel. Mais qu'est-ce que tu as ? Mon père ? Non, non, non. Wow. Des rats. Waouh. Protégez-nous. Il y en a partout. La lumière. Ils ont peur de la lumière. Ah, je vois ça. Heureusement d'ailleurs. C'est pas possible. C'est un cauchemar. On doit retourner dehors, Amicia. Je sais. Avance. C'est un moine. L'autre frère. On va devoir escalader ça. Je dois poser la torche. Ouais, mais l'autre dès qu'il prend morceau. Tu calmes. Il y a un support. On aura encore de la lumière. Oui, mais après. On trouvera bien. Passe. Je vais t'aider. Allez, oui. Waouh. Ouais, et je fais comment ? Moi, j'ai plus de lumière, moi. Je ne pas comment il peut y en avoir autant. Du feu. Il nous faut du feu. Alors. Le bois va brûler vite. Ne traînons pas. Allez-vous-en ! Allez ! Partez ! Calme-toi, Hugo. La lumière nous protège, d'accord ? D'accord. Alors c'est ça, l'Orfeo. Des rats. Le père a parlé d'une issue. Par la crypte. Waouh. Mais c'est un truc de fou, quand même. Amicia ! Les trois statues ! Crypte des trois saints, c'est la sortie dont parlait le père. Il faut tenter un autre chemin. Je fais comment, moi ? Wow. Mais y a rien ici pour me. Mais comment je fais pour passer ? Oh punaise. Y'a pas un bâton ou quoi là? Ah non. Vas-y. Là. Grimpe. D'accord. Waouh, il y en a. Mais il y en a encore plein là-bas. Ah, il y a quelque chose là. De la pierre. Il y a pas de bâton? Ah punaise, par contre, on est dans la merde. Là-haut, Amicia. Je dois pouvoir le faire tomber. Ah là. Ils les ont tous mangés. Ne regarde pas, Hugo. On ne peut plus rien pour eux. C'est horrible. Je sais. Pourquoi je peux pas? Ah, c'est du sous, j'en ai 8 déjà. Par là. Verrouillé. Merde. Là, en haut. Vas-y, monte. Putain, c'est un truc de fou quand même. Ouah, wow, y'a un petit moment de freeze là. Heureusement qu'ils peuvent pas monter. La pierre. Y'a rien ici. Et faut faire quoi? Ah là. Je l'ai vu. Bon, on va passer en même temps.
pour redescendre. Suis-moi. Oui. Allez. Vite, vite, vite. Maintenant. Ils font trop de bruit. Trop de bruit. Hugo, calme-toi. Waouh. Oh yes, un établi. On va pouvoir réparer notre... on peut faire une poche. Et ça nous manquerait quoi? Non, on n'a pas assez. Ça, il nous faudrait du cuir et de l'alcool pour améliorer la pochette. Bon, allez, on va fabriquer la poche. Je sais pas si ça va nous servir. Pas mal. Pas mal du tout. Bon. Allez. Pas de drap. Oh non, non. La lumière. Dans la lumière, vite. Je vois pas de torche. Comment on va faire? Ouais, y a pas de bâton là? Wow. Ah, il y a quelque chose. C'est quoi ça? C'est bon. Ça a l'air de les occuper. Ah. T'es sûr? Un autre jambon, ça devrait aller. Merde, j'ai raté. Allez, viens. Attendez, je peux récupérer ça? Ouais, bah ouais. Il faut jouer où? Ah là. Allez, grimpe. En bas, les trois saints. Ça y a rien à récupérer. D'accord. Soyons prudents. Ah, mais il y en a toujours autant. Wow. Ouais, Il faut chercher quoi là? Ah là. Si on va par là, on sera à l'abri. Ok, ils peuvent remonter. Il faut pas tomber. Pas tomber. On va pas tomber. Tiens bien ma main. Ouais, et maintenant... Ah, pardon. C'est du jambon. La torche. Il y a un trou dans la grille. Je vais soulever ça. Tu peux prendre la torche? Oui. Appuyez de façon répétée. Ah, c'est lourd. Hugo, fais vite. Allez. Oula. Ça va? Oui. Reste où tu es, le sol est pourri. Amicia, comment je vais revenir? On va trouver, ne panique pas. Avec la torche, tu ne crains rien. Oui, mais toi alors? On va avancer ensemble. Comme ça, la lumière me protégera aussi à travers la grille. D'accord? D'accord. Voilà, on y va, doucement. C'est très bien. Wow. Regarde, il y a un trou là. Tu veux la torche? Oui, il y a trop de rats de mon côté. Et moi, je passe par où? Le trou derrière toi. C'est la seule issue que je vois. Passe par là et je te rejoins de l'autre côté. T'es sûr? Si tu vois des rats, tu t'arrêtes. J'arrive tout de suite. D'accord, mais tu fais vite. Ok. Allez, un support. Allez, grimpe. Il faut que je me dépêche. Oh merde. Hugo! Qu'est-ce qui se passe? C'est blasé partout, je sais comment moi. Alors. Allez! Allez! Là-haut! Hugo! Ça va?
Il y avait des rats. J'ai été par la lumière. Ils t'ont mordu? Non, j'ai trouvé une échelle. Il y a des rats en bas. Je vais t'ouvrir le passage. On va te descendre de là. Ouais, et... Toi, ah, il y a des bâtons. Tout va bien. Tu vas bien. Reste concentré. Ah là. Ok. Ok. Ouais, et... Attendez. Wow, ils ont cramé. Hugo, je dois le faire descendre. Comment je fais là? Pourquoi je peux pas... Oui. Ah, je peux même... Ok. Ces brindilles brûlent trop vite. Je pourrais pas les repousser assez longtemps. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ok, ouais, c'est bon, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Alors, là, faut que j'avance avec un bâton. Voilà, j'allume le bâton. Ok, allez. Voilà, je récupère des trucs, hein, oh. C'est bon, tu peux descendre. Wow, wow, wow. Ah, il y a encore des choses à récupérer. J'aurais pas dû te laisser tout seul. C'était trop risqué. C'est pas grave. Faut que je fasse quoi au moins? Faut que je monte. Je vais retourner vers la porte. Peut-être qu'il fallait. Ok. La crypte. Oh, merci. On va pouvoir partir d'ici. Oui, loin, loin d'ici. Il y a rien d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Ben, je peux rien améliorer. 2 sur 4. Ah, là, il nous manque pas seul matériau. Ah, je peux rien améliorer. Genre, non. Je vais t'aider. Oui, oui. Oh, fais chier. Il n'y a pas de matériaux là que je pourrais... Peut-être là. Non, il n'y a rien. De l'autre côté peut-être. Ah non, de l'autre côté je peux pas atteindre. Ah, fais chier. Oh, c'est quoi cette chose par terre? T'es sûr qu'on doit passer par là? Oui. On est arrivé jusqu'ici, on va s'en sortir. What? Reste bien près de moi. Encore des rangs partout. Mais c'est quoi sur les murs? Je sais pas. Ah, mais c'est dégueulasse. Ah, il y a du sang qui coule. C'est eux qui ont fait ça. Tu crois? Oui, on est dans leur nid. Ils vont être encore plus en colère alors. Ah, là. Oh. Il faut que je vais par là. Ok. Amicia, il faut pas toucher les murs. Les vapeurs. Oh, il y a du sang qui coule des murs. Ça brûle la gorge. Un truc de fou. Ensuite.
Ah, par là. Là-bas, de la lumière. On y est. On y est, Hugo. Oh oh. Oh oh. Waouh. Wow. On a réussi. On a réussi. On a réussi. Amicia, je veux voir maman. Je veux pas qu'elle soit morte. Hugo. Je veux qu'elle revienne.